MacGill. Heureuse de vous voir, Mac. Pourquoi cet état de siège? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites ici, Mike? Bien, nous avons emménagé il y a juste 3 jours. Vous êtes la première personne que je vois. Ah, et où est-il? Dans la pièce du fond. Il ne vous a rien dit sur cette situation? Tout ce que je sais, c'est qu'il a peur. Oh, j'avoue qu'il a réussi à m'effrayer. MacGill, sauvez-le-moi. Qui est-ce, Marie? C'est MacGill. Comment ça va, Nolan? Je vous attendais, MacGill. Merci d'être venu si vite. Je ne pouvais appeler personne d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Nolan? Il faut que je quitte la région. Il faut que je parte dès ce soir. Pourquoi m'avez-vous fait venir? La police est à vos trousses? Non. Ah, il y a bien quelqu'un après vous. C'est exact. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire que j'ai fait des enquêtes pendant 20 années. Et la seule action dangereuse que j'ai jamais faite a été de prendre une photo. Soyez plus clair, de quelle photo voulez-vous parler, Nolan? Vous l'avez brûlée? Oui, j'ai brûlé tout ce qui me restait. Et alors, vous ne voulez absolument rien me dire? Tant que vous ne saurez rien, il ne vous arrivera rien, mon vieux. Ah. Écoutez, MacGill, tout ce que je vous demande, c'est de me protéger, de me cacher en ville et ensuite de me mettre dans un avion, et rien d'autre. Je ne travaille jamais en aveugle, Nolan. Mieux vaut être aveugle que mort. Écoutez, je ne vous demande pas la charité. Je vous offre 5000 livres pour une journée de travail. Je vous le fais un peu plus. Non. Écoutez, j'ignore toute cette affaire, mais... Non, c'est pas plus que vous. Je sais pourtant qu'il compte sur vous. Pourquoi? Vous êtes son ami. Oh, est-ce que c'est vrai, d'après vous? Est-ce que c'est faux? Eh bien, nous avons travaillé ensemble 2 ou 3 fois. Ça veut dire que nous nous sommes côtoyés 4 ou 5 jours au plus. Nous avons même partagé quelques repas. Est-ce que vous croyez que ça suffit pour avoir une confiance aveugle? Il est aux abois, je vous le dis, regardez-le. Il m'a même envoyé lui prendre son billet d'avion. Ouais, il l'est tellement qu'il refuse de me donner la moindre information. Dans votre intérêt, voyons. Oh, j'ai souvent entendu cette belle phrase. Mais je vous jure, je travaillais sur une affaire très dangereuse. Explique-lui de quoi il s'agit. J'ai dit non, Marie. En révélant tout, je signerai son arrêt de mort, comme j'ai signé le mien. Oh, MacGill, je vous en prie, il a confiance en vous. Écoutez-moi, on m'a donné la possibilité de penser, je suis vulnérable. Si vous marchez sur un insecte, il meurt sans même savoir pourquoi. Eh bien, je me refuse à mourir de cette façon, vous entendez? Même pas pour votre mari. Il faut que... Je t'ai dit non. Je regrette de vous avoir dérangé, MacGill, mais je suis mort de peur et je n'ai pensé qu'à vous. Allez, fichez le corps d'ici, et je vous conseille de m'oublier, je me débrouillerai tout seul. Oh, attendez un instant, vous énervez pas. Une seconde. D'accord. Prêt à filer? Sinon, allez faire votre valise. Utile ou non? Vous feriez mieux de l'avoir sur vous. Dorty a téléphoné 2 fois pendant votre absence. Oh, encore lui. Eh bien, au cas où cet idiot me rappellerait, je ne suis pas rentré. D'ailleurs, pour tout le monde, je n'entre pas avant ce soir, d'accord? Entendu. Merci. Elle est digne de confiance? Oui. C'est aussi une vieille amie à moi. Eh bien, vous voilà chez vous. Merci. Posez votre valise dans un coin. Alors, Nolan, vous voulez que... qu'on fasse une partie de cartes en intéressant le coup, ou est-ce que vous préférez jouer aux échecs, ou bien encore, est-ce que vous êtes enfin décidé à tout raconter? Je voulais faire quelque chose pour moi. Ben, on dirait que je suis parti pour ça, non? Allez toucher un chèque à ma banque.
Il aurait été facile d'y passer en venant ici. Il m'aurait repéré. Qui? De qui parlez-vous, Nolan? Il vaut mieux que vous l'ignoriez. Ça vaut beaucoup mieux pour vous. Ça suffit. Vous avez tendance à vous répéter. Vous vous rendez compte? Vous avez réussi à m'inquiéter. À propos de ce que je vous dois. On a le temps. McGill, je vais vous donner un chèque de 3000 livres. Vous en prendrez 500. Oh non, je ne ferai pas ça. Nous sommes de vieux amis. Je paye mes dettes. Très bien. Je ne vais pas discuter avec vous. Bon. Tenez, vous vous enfermerez après mon départ. Et à mon retour, je frapperai 3 fois. Et je dirai, c'est le grand méchant loup. Non. Non, fermez dans la porte et emportez la clé. Mais ça peut vous faire. Je vous jure que je préfère. Attendez. Surtout, restez tranquille. Au revoir. Au revoir. Bien que ce soit au porteur, je voudrais une pièce d'identité, monsieur. Pourquoi? Eh bien, monsieur Nolan n'a encore jamais fait de chèque de cette somme. Ce n'est qu'une formalité dans l'intérêt de nos clients. Merci, monsieur. J'étais plus élégant et plus jeune à cette époque. Comment les désirez-vous? En billets. C'est le grand méchant loup, Nolan. Détendez-vous, ça s'est passé sans histoire. Qui est-ce? Je vous assure qu'il ne sait rien. Qui est-ce? Un ami, un vieil ami. Je vous jure que je n'ai pas parlé, non, même pas à lui. Je sais tenir ma langue. Oui, j'espère bien. Je pars avant la nuit. Je vais quitter le pays et puis j'oublierai ce que j'ai vu. Vous ne lui en avez pas parlé? Non, à personne d'ailleurs. Bon. Vous me croyez, n'est-ce pas? J'ai pris ces photos par erreur. C'était un accident. Non! Pitié, non! C'est là-dedans. Qu'est-ce que c'est? On dirait des coups de feu. Vous devriez entrer voir. Ah, ça ne me regarde pas du tout. En tant qu'homme, pourtant. Je suis pas chez moi ici, c'est plutôt votre hôtel. Hein. Monsieur McGill. Je crois qu'il l'a tué. Je vais prévenir la police. Inutile de vous inquiéter plus longtemps. Marianne, photographie, Londres. Qui a fait ça? Qui a fait ça, Nolan? Arriveront-ils, s'il vous plaît? Quelques minutes, madame. Une voiture est en route. Oh, mais dites-leur bien de faire vite.
Il s'en va maintenant. N'essayez pas de l'arrêter. Oh, il faut que vous arriviez tout de suite. Cachez-vous en attendant. Vous les préviendrez que je leur ferai signe. Chemise, puis une enveloppe avec des coupures de presse. Ah, un beau jouet. Ils adorent tous ce genre d'étui. Oui? Je suis Martin, inspecteur. C'est moi qui ai reçu l'appel. Oui, alors? J'ai pris sur moi de me rendre au domicile de Nolan, au 17 Waterford. Madame Nolan n'était pas chez elle. Les voisins m'ont affirmé n'avoir vu ni elle ni son mari depuis 2 ou 3 jours. Mais je tiens à savoir si c'est 2 ou 3. Oui, ça va, attendez-moi de voir. À vos ordres. Inspecteur George, oui. Qui donc? Ah, inscrivez ça, Charlie. Il s'appelle McGill, tout simplement. Il a approximativement 30 ans. Sans être grand, plutôt assez costaud. Cheveux gris, McGill est actuellement recherché par la police pour être entendu sur la triste affaire de la fusillade qui fut fatale à Thomas Nolan. Toute personne pouvant donner des informations sur McGill est priée de se mettre immédiatement en contact avec la police. Il est possible que McGill, étant aux abois, devienne un individu dangereux. On pense qu'il est armé. Il ne voulait de mal à personne. Il aimait tant la vie. Oh, pourquoi donc plus vouloir? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait découvert quelque chose de très grave, sans doute. Il avait toujours été un type bien. C'est ce que disaient les gens du métier. Il n'était pas très fort. Il était tout simplement moyen. Vous l'avez laissé tuer. Pourquoi? Écoutez, aidez-moi, je vous en prie. On croit que je l'ai tué. Ils ont raison. Non. Vous pensez qu'on vous croit? Oh non. Pourquoi le devrais-je? Vous me connaissez mieux que les autres. Non, vous vous trompez. Pourquoi croyez-vous qu'il m'ait fait venir ici? Pour le tuer? Si je l'avais tué, je ne serais tout de même pas revenu, pas vrai? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que la place Tiller vous dit quelque chose? Non. Réfléchissez bien, je vous en supplie. Il n'en a jamais parlé devant vous? Place Tiller. Je suppose que vous ne pensez qu'à l'argent. Il n'y a que l'argent qui vous intéresse, tout autant que vous êtes. Je lui avais répété 10 fois de chercher un autre métier, il y en a tant. Mais lui aussi aimait trop l'argent. Il y a 3 000 livres en billets de 10. Et vous pourrez avoir un relevé de compte dans la matinée. Je n'ai jamais entendu parler de cette place. Il voyait le monde à travers vous. Vous le saviez? Il parlait toujours de vous, de vos enquêtes, des exploits que vous aviez réalisés. McGill pouvait résoudre tous les problèmes. C'est pas à Londres. Il était comme un petit garçon. Vous étiez son héros. Vous, le grand McGill. Il avait confiance en vous et maintenant il est mort. Marie. Avez-vous entendu parler d'une dénommée Marianne? Oui, c'est mon prénom. Marie est un diminutif, tout simplement. Il n'y a pas d'autres photos de vous ici? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je joue les policiers. Est-ce que vous la connaissez? Non. Vous savez de quel journal provient ce papier? Du Chronicle. Vous êtes sûr? Oui, il ne recevait que celui-là. Non, laissez sonner. Il faut que je file. Vous me laissez seul ici? Vous ne risquez rien. Dès que je serai sorti, fermez la porte à clé, appelez la police et dites-lui tout ce que vous savez. Je peux leur parler de la photographie et du reste? Oui, dites tout ce que vous savez. Et en précisant que je suis innocent. Tu ne connais pas ce Nolan, je suppose? Si, au contraire. Je l'ai engagé. Il m'espionnait. Eh bien, c'était ta faute. Après toutes les précautions que j'ai prises, tu as fait ton possible pour tout gâcher. Un détective privé, tu as sûrement perdu la tête. Tu risques autant que moi dans cette histoire.
Je n'ai pas tout à fait à perdre autant que toi. Pourtant, tu as toujours eu tout ce que tu as voulu, une maison, des bijoux, une petite fortune. Ah oui, mais je suis prisonnière de cet argent. Quoi ? Je pourris lentement pendant que tu es avec cette femme. Quelle femme ? Tu crois donc que je ne suis pas au courant ? Ça fait maintenant plus d'un an que ça dure. Je t'ai vu changer, tu sais. Tu joues aux jeunes. Trop jeune pour toi, peut-être. Tu fréquentais une femme. J'ai engagé Nolan pour qu'il la découvre. Pourquoi ne t'es-tu pas plainte à la police ? Ne sois pas inquiet. Nolan ne m'a jamais vu, tout a été conclu par téléphone. Par téléphone ? Alors ça l'a rendu soupçonneux. Et il m'a suivi jusqu'à ma porte pour te connaître, idiote. Il m'a vu. Oui. Je l'ignorais. Tu aurais dû y penser. Ce visage ravagé, je suis fatigué de le voir tous les jours devant moi. Maintenant, je m'assurerai que plus personne ne le verra. Manque. Va dans ta chambre, emporte-moi ce symbole d'imbécilité qui te sert de visage et reste-y. Reste-y jusqu'à ce qu'il pourrisse. Excusez-moi, madame, je voudrais un vieux numéro du Chronicle. Quelle date, s'il vous plaît ? Il y avait un article sur le naufrage du château du Cap. Regardez, ça devrait remonter à... Je vais essayer de le savoir. Le 14 septembre 1966. Merci infiniment. Le château du Cap coule dans le détroit. Vol à l'aéroport. La police donne la description de Frank et Clara Arnoldson. $1 million dérobés. Vous savez qui était l'autre ? Il s'appelle McGill, vous avez entendu la radio ? Un détective, d'après vous. Je ne pourrais pas le jurer, mais il a fait une erreur en revenant chez lui. C'est ce que vous croyez ? Oh, j'en suis certain. Les policiers pensent que c'est lui. Ils sont tous mobilisés pour le retrouver. Je pense que j'ai bien manœuvré. Ça, c'est votre avis. Vous auriez dû le tuer. Ah oui. Et vous savez après qui la police déploierait ses forces ? Après moi. Ça vous aurait arrangé, n'est-ce pas ? Ainsi, McGill nous court après avec cette arme que vous lui avez gentiment laissée. Qui donc sait ce qu'a pu lui dire cet idiot de Nolan ? Ah oui, vous avez intelligemment manœuvré. Je n'ai eu qu'une minute seulement pour me décider. C'est très facile d'en discuter ici, mais essayez un peu d'être génial quand il ne faut qu'une seconde pour tirer. Je crois que je ferai encore mieux que vous. Vous pourriez avoir l'occasion... Nous allons quitter le pays. Nous le quittons dès ce soir. Inquiet. Riche et en vie. Et je tiens à rester comme ça. Passez-moi l'inspecteur Glynn, je vous prie, de la part de McGill. McGill ? Je vous fais faire des soucis ? Où êtes-vous ? Moi, je suis au bout du fil. Je voudrais vous voir. Vous avez changé d'avis depuis qu'on ne s'est vu ? Repérez-le et prévenez vite l'inspecteur George. Nous avons reçu l'ordre de vous arrêter, McGill. Vous savez que je suis innocent ? Qui est le coupable ? Vous avez eu les Arnoldson, le célèbre couple qui a fait le coup de l'aéroport, inspecteur ? Ça vous intéresse ? Oui ou non ? Non. Écoutez, McGill. Où désirez-vous aller ? Droit à la place Tiller. Vous savez où c'est ? Non, je l'ignore. Roulez jusqu'à ce que vous la trouviez. Nouvelles de la capitale maintenant. La police continue à rechercher un certain McGill pour l'interroger sur le meurtre de Thomas Nolan. Elle fait appel aux habitants qui pourraient donner des informations concernant cet homme qui est vraisemblablement armé. La police est aussi à la recherche de Madame Nolan, femme de l'assassiné, qui n'est plus reparue à son domicile depuis plusieurs jours. Les autorités ont toutes les raisons de penser que Madame Nolan court un danger. Elle l'a pris de se mettre le plus vite possible en... Thank you.
Dites, est-ce que vous êtes sûr que cette place est à l'ombre? Eh oui, pourquoi? Ah, vous devez faire erreur, je crois. J'ai étudié 18 mois pour obtenir mon sacré permis. Je connais toutes les impasses et j'ai jamais lu le nom de cette place. Non, écoutez, vaut mieux abandonner. Non, pas tout de suite. Continuez encore. Tenez, en attendant, mon vieux. Voilà de l'argent gaspillé. L'argent est fait pour le dépenser. 427. Oui, j'écoute. J'ai trouvé votre place. C'est dans Kensington. Ben, elle n'est pas marquée sur la carte. Cela n'a rien d'étonnant. Elle a été démolie en 1946. C'est dans le parc. Vous avez entendu? Oui, allons-y. Sans moi, s'il y a un taxi, c'est pas un danger à remonter le temps. Trouvez où était cette place. Je voudrais jeter un coup d'œil sur les décombres. Je ne tiens pas à te voir. Je ne te le reprocherai pas. Je te prie de m'excuser de t'avoir parlé de cette façon. Ah oui. Mais il faut reconnaître que tu as fait une folie. C'est à cause de mes doutes. Je n'étais pas certaine d'avoir une rivale. Et maintenant que tu en es certaine? Eh bien, je dois dire que ça fait très mal, Franck. Je ne voulais pas que tu le saches. Qu'a-t-elle de si particulier pour avoir réussi à te séduire? Inutile d'en discuter. Est-ce qu'elle est jeune? Oui. Jolie? Très. Et quand tu seras vieux, elle restera avec toi? Ça, j'en doute. Et quand il faudra plus d'argent, elle t'aidera à le voler? Non, là aussi, j'en doute. Oh, n'y pensons plus, Franck. Il faut que je fiche le camp d'ici. Nous pouvons tout recommencer quelque part ailleurs avec tout cet argent. Il est hors de question que tu viennes avec moi. Je ne veux pas prendre ce risque. C'est elle. Écoute, je te ferais sortir de ce pays si je pouvais, mais tu serais immédiatement reconnu par tous les policiers du monde. Je subirais cette opération. Trop tard pour ça, chérie. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Me laisser seule ici? Tu as une autre solution? Non. Tu ne partiras pas, je suis prête à te le jurer. Je ne veux pas rester seule jusqu'à la fin de ma vie dans une cachette, à couvrir mon visage pendant que toi, tu courras le monde en dépensant la fortune que je t'ai aidée à voler. Non, Franck, si tu t'en vas, j'irai tout de suite le dire à la police, je te jure. Ah oui. En effet, je pense que tu le ferais. Non, je n'y tiens pas du tout, Franck. Je veux juste passer ma vie avec toi. Oh, Franck, tu dois tout arranger. Tu es un homme intelligent. Tu peux sûrement te débrouiller. Non, c'est impossible. Alors dis-moi, Franck, que veux-tu que nous fassions? Tu as fait une grave erreur en engageant Nolan. Non. Non, voyons. Oh, Franck, je te connais trop. Tu es un voleur, un escroc, mais tu n'es pas un meurtrier. De l'American Express. Oh, et qu'est-ce que vous désirez? Ben, mes instructions. Je ne comprends pas, je suis désolée. Je ne me trompe pas, c'est bien cet après-midi. À mon avis, vous faites sûrement erreur. Oh, je suis bien au 37 ici, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui. Alors, je viens chercher les instructions de notre client pour son voyage. Mais je n'ai rien demandé, voyons. Ben, pourtant, on m'a téléphoné. Oh. Oh, mais je comprends. Oh, mais entrez, je vous en prie. Mais il aurait dû m'avertir. Oh, si je peux me permettre, vous ne pouvez pas savoir combien de fois une moitié ne sait pas ce que fait l'autre. Ah, écoutez, il va rentrer très bientôt. Vous voulez l'attendre? Non, je prends note de quelques détails et ensuite je filerai si ça ne vous ennuie pas. Bien. Vous vous appelez? Cunliffe, Angela Cunliffe. Et vous allez? Aux Bermudes. Aux Bermudes. Ce soir? Oui, c'est exact. Vous irez à l'aéroport? Mm-hmm. Vous savez l'heure du départ?
10h25. 10h25. Combien de personnes? Nous deux, c'est tout. Ils ne vous ont pas renseigné chez vous? Eh ben, ils auraient dû le faire. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Je n'en sais rien. Je suppose que je dois aller contrôler tout ça. Je crois que ça vaudrait mieux. Bon, je vais y aller de ce pas. Je vous souhaite bon voyage. Et surtout, ne vous occupez de rien. Je prends tout en charge à partir de cet instant. Entendu. Au revoir. Au revoir. Et voici maintenant les résultats du marathon de la paix. Premier, Michel Dorchy en 2h50. Deuxième, Alain Duchin à 2 minutes. Troisième, Jean-Pierre Vautier à 2 minutes et 10 secondes. Quatrième, Bruno Varenna, Italie, à 4 minutes. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'écouter ça. Gérard Noiset à 4 minutes 30. Ben, j'attends le classement du jeune Daniel Flicka. Sixième, Michel Kogan à 4 minutes 50. Et enfin, puisque les autres sont très loin, septième, Flicka à 5 minutes. Voici maintenant un message de la police. C'est encore une fois au sujet de l'affaire Thomas Nolan. Allez, mettez un peu de musique. La police désirait retrouver la trace... Ça vous va, cette musique? C'est merveilleux. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'arme de patience. Et on attend le temps qu'il faudra. Ça dépend qui tu attends, ma chérie. Quelqu'un en particulier. Ah ah. Je te plais? Tu es adorable. Mmh. C'est un cadeau de voyage, hein, chérie. De qui? De toi, chérie. Ben, j'ai bon goût, alors. Tu es merveilleux. Tiens, travaille. Tout est là? Oui, ça t'étonne? Je les mettrai dans la voiture. Oh, tu veux pas boire un verre? Ah non, je préfère partir avec toi. Oh, mais nous avons tout le temps. Ben, allons faire un tour, si tu veux. Mmh. Tu viens juste d'arriver. Et moi, j'ai très soif. Une seconde, je te sers. Tu es très bizarre. Qui, moi? Je n'ai pas précipité. Tu ne veux pas partir? Oh, voyons, tu sais que j'en rêve. J'ai très envie de connaître les Bermudes. Mais tout s'est déroulé si vite. Tu te rends compte que tu m'as prévenu que tout à l'heure... J'ai hâte d'être un homme d'action. Ah, c'est vrai, chérie. À nous deux, à une nouvelle vie sous le soleil. Je te connais pas très bien, en fait, mon chéri. Mais ça fait déjà plus d'un an. Je ne sais rien sur toi, malgré tout. Est-ce nécessaire? Je peux être curieux. Tu sais où conduit la curiosité? À tuer la poule aux œufs d'or. C'est exact. Je trouve que... je trouve que tu es plein de mystère. Qu'est-ce que c'est que ces cicatrices? Suppose que je te réponde que ce n'est pas mon vrai visage. Ah, à question idiote. Réponse idiote. De toute manière, j'avoue que nous sommes merveilleusement bien ensemble. Mais moins qu'aux Bermudes. Je crois être en train de rêver. Nous vivrons sur la plage. Oh, pendant que j'y pense, est-ce que tu as demandé à l'American Express de m'envoyer quelqu'un? Non. Je savais bien qu'il faisait erreur. Que s'est-il passé? Ouf, un homme est venu me voir. Quel genre d'homme? L'air correct, cheveux gris. Mais qu'a-t-il dit? Qu'il venait se renseigner sur notre voyage. Et tu l'as renseigné? Non, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il est venu il y a longtemps? Il y a à peu près 20 minutes. Mon chéri, je suis désolée. Est-ce que tu m'en veux? Tu ne me dis jamais rien. Ce n'est pas ta faute. Mais que voulait cet homme? Nous embêter. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ne pose pas de questions. Laisse-moi régler ceci. Oh, mais je ne tiens Laisse-moi, pas. Laisse-moi, chérie. Maintenant, va chercher ton manteau. On va faire un tour en ville. Mmh.
nous allons? Appâter un idiot. Appâter un idiot? Et lui laisser mon bon souvenir. Est-ce que vous suivez quelqu'un? Moi non, vous oui. Il va falloir que tu choisisses. Tu restes avec moi sans poser aucune question ou tu reprends ta vie ancienne manière? Je reste. Tu as raison. Jamais tu ne le regretteras. En route pour les Bermudes, alors. Tu as fait quelque chose de terrible? Aucune question. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Ce n'est pas la peine. Pourquoi t'arrêtes-tu? Tu vas sortir de la voiture. Retourne à l'appartement et attends-moi. Je viendrai te prendre plus tard, chérie. J'aimerais que tu t'expliques. Surtout, fais attention. Monsieur, je veux pas tout ça. Allons, prenez-les. Vous m'avez beaucoup aidé. Il est normal que je vous en sois reconnaissant. Je vois pas ce que nous avons pu faire, mais je crois qu'il est inutile que je le sache. Hein. C'est exact. Nous allons vous redonner lecture du message de la police. La police désire se mettre en rapport avec l'homme qui a assisté au meurtre de Thomas Alam. Cet homme s'appelle McGill. Taille moyenne, cheveux gris, toute personne pouvant... Allez, bon sang. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être bien qu'il n'est pas là. J'en suis certain. Vous l'avez vu? Je sais qu'il est là, dehors. Cette fois, vous avez été trop intelligent, si vous voulez mon avis. Il est dans ces buissons. Il faudra bien qu'il en sorte. Pourquoi ne va-t-il pas tout dire à la police? Il sait que nous sommes ici. Il est aux abois. La police le recherche. Le temps qu'il se rende et qu'il s'explique, nous aurions déjà disparu. Et c'est lui qui aurait droit aux menottes. Alors où est-il? Donnez-lui le temps. Il va se montrer. Vous voulez lui donner combien de temps? Si on attend plus longtemps, on arrivera trop tard à l'aéroport. Ça fait 5 minutes. Allez le chercher. Et vous, pendant ce temps-là? Je vous couvrirai. Ah, vous pensez à tout. Oui, et c'est pour ça que je donne les ordres. Mais vous n'avez aucun cran, c'est pour ça que j'ai fait le travail. Vous avez eu votre part du butin? Je l'ai bien gagné. C'est votre dernier travail. Ne croyez pas que je le fais pour vous. Éteignez cette lampe et couvrez-moi si vous pouvez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aurais peur? Nolan avait peur lui aussi, n'est-ce pas? Et ça lui a pas rendu service. Tu sais que je vais prendre un grand plaisir à faire éclater le camp. Ah!
Écoutez, Arnoldson. Je vais monter. Ne bougez pas. Si vous bougez, je tire. Si vous voulez rester en vie, ne faites pas de bêtises. Bien, donnez-moi ça. J'ai vu un téléphone au rez-de-chaussée. Entendu. Votre œuvre. Alors, qui est-ce? Monsieur et Madame Frank Arnoldson, ce sont les responsables du vol de l'aéroport. J'ai en mémoire son visage, il ne lui ressemble pas du tout. Regardez mieux dans ce cas. Vous voyez ces cicatrices? Un miracle de la chirurgie esthétique. Et vous pouvez comparer les empreintes digitales. Vous croyez? Je vous le parie qu'il lui fallait absolument changer de visage après ce cambriolage. Remarquez que c'est du beau travail puisque vous n'y voyez que du feu. Et elle, qu'est-ce qu'il a tué? Arnoldson ou le chauffeur. Peut-être que vos gars du laboratoire pourront vous renseigner. Et où est-il, ce chauffeur? Dehors. En fait, il ne devrait plus tarder à reprendre ses esprits. Vous le trouverez dans les buissons. Il a tué Nolan. Et pourquoi ça? Nolan avait dû reconnaître la femme. Il a pu les photographier. Il désirait sans doute la récompense. Ça a été son erreur. Arnoldson a voulu s'assurer que personne d'autre ne la reconnaîtrait. Alors il l'a tuée. Et quand je l'ai suivi jusqu'ici, il a essayé de m'avoir. Et il y est passé à son tour. Vous pouvez prouver ce que vous venez d'avancer? C'est vous le policier, alors c'est à vous de le prouver. Je veux seulement savoir à combien se monte la prime. Si vous avez menti sur un détail, sur un seul et unique détail, je vous mettrai en prison pour longtemps. Il y a quelque chose qui m'ennuie un peu. Oui? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'a pas changé de visage. C'est assez simple, pourtant. Bon, allez-y, dites-moi tout. Mais c'était une femme.
Par contre, je ne vois pas pourquoi Arnoldson n'a pas quitté le pays depuis longtemps. C'est assez simple, pourtant. C'était un homme. Thank you.